Eh bien, salut tout le monde, c'est Sycamore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit random live, en random battle, en random première génération. Donc oui, c'est 100% première génération, que ce soit au niveau des sprites, au niveau des attaques, au niveau même de la répartition attaque spéciale, défense spéciale, car il faut savoir qu'en première génération, ce n'était pas du tout séparé. Donc par exemple, vous prenez l'attaque Amnesia, donc Amnesia en français, eh bien, elle booste de 2 crans la défense spéciale et l'attaque spéciale. Donc, comment vous dire que c'est une plénitude assez cheatée? Enfin bref, je pense qu'il y a un bon discours, enfin que des gestes valent mieux qu'un bon discours. Donc c'est parti. Donc par contre, on va devoir attendre qu'il y ait un random adversaire, on peut dire ça comme ça, qui nous affronte. Donc à la rigueur, vous voyez, je vais faire une petite pause, ça ne se verra même pas, et je vous reprends quand il y a quelqu'un. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve, alors c'est juste pour vous informer que j'ai des cheveux blancs, ça fait à peu près une demi-décennie que j'attends, il n'y a toujours personne, donc apparemment la première génération tout le monde s'en fout, je sais pas ce que c'est, alors je sais pas où est le problème, attends c'est intéressant de jouer, ah voilà, ça me fait contredire, bon j'ai toujours des cheveux blancs mais on a un adversaire, donc ça c'est bien, donc on commence avec Ratata et lui avec Mankai. Donc Ferro-Singe, on peut pas dire qu'on a le meilleur match-up du monde, mais on va faire avec. Je sais pas s'il apprend éboulement le petit en première génération, donc je vais envoyer un sécateur. Parce que je ne vais pas rester avec Ratatak, hein. Ça c'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, il fait submission, donc c'est sacrifice, où finalement on a bien fait de switcher, et là je serais tenté pour faire... de faire une petite sur Dance. Donc un sécateur qui est quand même bon parce qu'il faut savoir qu'en 1G les attaques sont pas diversifiées. On a des move pool assez réduits on va dire. Donc là il a accès à Dance Slam, à Hat, et lui il a accès à Rock Slide. Ok donc ça c'est pas cool. Donc j'hésite entre Tranche et Hyper Beam. Donc malheureusement pour nous il a Rock Slide, bon on tient, ça c'est une bonne chose. Et je serais tenté de faire un petit tranche, un petit Hyper Beam. On va partir sur un petit Ultra Laser, qui est vraiment une attaque intéressante en première génération, parce que si vous tuez l'adversaire avec, vous n'avez pas le tour de rechargement. Ce qui est le cas. Donc là, je vais pouvoir enchaîner derrière, et ça c'est une bonne chose. Donc on tue Ferro-Singe, coup critique. Les coups critiques également en première génération sont basés sur la vitesse. Donc ça c'est, entre guillemets, c'est une nouveauté. Donc Rapace des Vigueurs. Il me semble que c'est un sécateur qui est plus rapide. Donc je serais tenté de refaire un petit Hyper Beam. À niveau équivalent, un sécateur à 105 il me semble, et Rapace des Pics 90 si je ne m'abuse, je ne sais plus. Au pire je fais un petit data. Oula, 97%, ça fait bien mal. Bon, il misse mais ça change pas grand chose dans le sens où je le tue pas. Donc je vais devoir recharger et derrière je vais me faire buter. Mais un sécateur aura quasiment fait 2 kills donc on se met bien. On se met bien dans cette petite partie. Et au pire, bon, il a mis le timer. Voilà, il l'a sur le coup avec Damoclès. Et derrière il se tue. Ok. Donc là je sais pas forcément qui envoyer. Je serais tenté d'envoyer Ratatak. On va éviter de dévoiler le reste de l'équipe. D'ailleurs, on a Crustabri, Arcana, Carabaf et Rapace des Pics aussi. Donc... bon, c'est plutôt correct. Et on va envoyer Carabaf derrière qui a une défense correcte aussi. Bon, il n'y a pas l'Evolurock. D'ailleurs, il n'y a pas d'objet en première génération. Non, on ne tient pas d'objet, c'est pas possible. Donc, on va faire sans. Body Slam, bon, ok, la paralysie, forcément, le petit axe. Alors, je sais pas trop quoi faire. Là, je serais tenté de faire Hydro Pump. Ou, ouais, on va faire Hydro Pump. Il n'y a pas... on va pas faire repos pour 20 PV et une paralysie, ce sera un peu bête. Mais bon, je pense sincèrement qu'il va switcher. Et il switch sur Mr. Mime. Donc il prend 35%, ok, pourquoi pas. Après, je pense qu'il a accès à Tonnerre. Et il va pas hésiter. Donc on va pas forcément envoyer, quand il s'appelle Raticate. Donc Ratatak, je verrais bien un petit Arcana, ouais. Ou... ouais, parce que derrière, on peut pas envoyer Crustabri qui va prendre trop cher au niveau de la défense spéciale, et ne parlons pas de Rapace d'époque. Donc, on va envoyer Arcanon. Après, un simple psycho peut faire de gros dégâts. Hein. Alors, voyons voir. Tonnerre, c'est bien ce que je pensais. Donc 24%, on le tient plutôt bien.
Et comme vous voyez au niveau des attaques, c'est pas terrible. Mimique, le mur, la protection, déflagration, donc comment vous dire que au niveau du move pool c'est assez pourri. Donc là à mon avis il va. Bah même s'il renvoie au Saturne, en soi c'est pas trop grave. Ok, Fire Blast, 43%, c'est pas mal. Ok, Thunder Wave. Faut savoir que Thunder Wave est assez fréquent en première génération. Enfin, c'est le truc que tu peux mettre à tout le monde. Donc bon, on va pas se priver, là on va faire Body Slam. Si switch, et bah il prend un risque de se faire paralyser. Sinon il est mort, hein, clairement, vu sa défense. Pierre Canin, c'est pas nul en attaque. Donc voilà, donc là pour l'instant on est plutôt bien parti, ça fait 3-1. Bon, Arcana est endommagé, Karabaf ça va. On a quand même deux paralysés, mais derrière on a de la ressource. Par contre, ce qui m'embêtera un peu, c'est qu'il est le Vénard quand même, ça ce sera assez relou. Mais on pourra encore le passer. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Mon avis, il réfléchit, petit temps d'attente et tout. Petit suspense. Alors, la chose la plus évidente serait d'envoyer au Saturne, on est paralysé. Et derrière, il peut mettre une grosse patate, du moins un bon séisme. Ça ferait bien mal, je pense. Et bon, soit j'envoie Karabaf, soit une nouvelle fois, je pourrais envoyer Cristabri. Ok, il envoie Onyx. Choisis la diversité. Bah, j'ai pas de raison de ne pas envoyer Karabaf. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se faire plaisir un petit peu. Donc on a clairement l'avantage, ça c'est bien. Ok, séisme, coup critique. Ça c'est moins cool, ça c'est... On essaie de se détendre et tout, de se mettre tranquille, et là on se prend un petit coup critique, enfin un petit coup critique des familles, c'est vraiment pas très agréable. On se fait un peu axer dans cette partie. Bon, après on a quand même eu quelques coups critiques, notamment sur Rapace des Piques, mais bon. Ok, donc Onyx, soit j'envoie Crustabri, oui ça peut être une solution valable. Ouais, on va envoyer Crustabri qui peut... achevé je pense au Satueur qui peut faire de gros dégâts Onyx, et le dernier c'est un peu le Kinder Surprise, on sait pas qui c'est. Et puis Crustabri il a quand même 180 de défense, donc c'est pas n'importe qui, il va pouvoir bien tenir les séismes ou Rock Slide. J'ai pas peur, franchement je suis confiant, on est confiant. Et puis à la rigueur on a des super potions dans le sac, des super potions, ouais peut-être. Donc ok, coup critique. Bon, je sais pas si Onyx est si lent que ça par rapport à Crustabri, je crois que... Parce que Onyx est quand même relativement rapide, si je ne m'abuse. Est-ce que je m'abuse? Oula. Voilà. Onyx, il a 70, et il me semble que Crustabri a une vitesse, je dirais pas équivalente, mais pas loin, quoi. Ok, donc là, j'ai envie de garder Crustabri. Parce que je sais pas combien il reste à Ossature. Il est sûrement à 100%. Ok, je sais pas trop quoi faire, parce que j'ai pas envie de le sacrifier. Et puis au pire, bon, on va faire un petit surf, on va voir les dégâts. Parce que je pourrais bien faire explosion, comme ça je me débarrasse de Tauros, qui est quand même une grosse menace. Voilà, Body Slam, hop, 38%, c'est pas mal. Bon, il nous fait que dalle. Donc on va spammer surf, et puis on va s'assurer la victoire. Voilà, à moins, sauf coup critique, puis en plus il fait Hyper Beam. Donc on a un tour gratos, c'est plutôt cool. Et puis on va faire surf. On va faire un petit surf, on va prendre la planche. Et on va tuer du bison, on va tuer du taureau. On va le manger bien cuit. Voilà, donc ça c'est fait. Donc en attendant, on va lancer une autre random battle. Allez, soyons fous. De toute façon, la victoire de celle-ci est assurée. On va essayer, je sais pas combien de temps va durer ce live, mais on va se faire... C'est au moins 2-3 matchs, ce serait sympa. Ok, surf. On finit comme ça, donc premier match, 4-0 en random battle, 1G, ouais c'est plutôt, on démarre bien, ça sent la conscience, 90%, allez derrière Earthquake, alors je sais, bon allez, on finit quand même sur un 4-0, ah, ok, l'autre battle est en marche, c'est une bonne chose à savoir, on va faire entendre un peu notre adversaire, ok, GG mec, alors, partons sur l'autre match, et... Smogogo, ok, face à Mewtwo, ok. Bon. J'aime bien, pourquoi pas. Donc je pense pas qu'il résiste à un psycho, parce que derrière j'aurais bien fait explosion. Histoire de se débarrasser de ça. Et on n'a pas... C'est pas ouf hein, au niveau de la team. Hein. C'est pas ouf, ouf, ça casse pas trois pattes à un canard.
Parce que je suis pas sûr qu'Electabuzz tienne. Bon. Bah si on va envoyer Electabuzz. Histoire qu'il puisse faire un petit Thunder Wave, bon derrière on l'envoie un peu à la mort, mais en même temps c'est Mewtwo. Et puis s'il a amnésie, je pense qu'on est mort. Voilà, psycho coup critique 66%. Et puis derrière avec la vitesse, voilà, on fait un petit Thunder Wave. De toute façon, avec la différence de niveau, ça va le faire. Mais on commence quand même très très mal derrière. Et je sais pas trop comment on va gérer la chose. Voilà, psycho out. On en perd déjà un. Alors derrière, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais envie d'envoyer gros doudou et de faire un gros Damoclès. Bon après, l'attaque c'est pas son point fort, mais on va faire avec. D'ailleurs, on a Carabaf et Tortank dans la même équipe. Ok, c'est plutôt sympa ça. Enfin sympa, c'est plutôt random, oui. Mais bon, on va voir qui est le plus efficace des deux. S'ils ont les mêmes attaques, on va dire que c'est un peu inutile aussi. Voilà, donc Damoclès qui fait 35%, c'est correct. Et derrière, on arrive encore à se faire coup critique. Ça, c'est assez moche. Bon, dans tous les cas, il va nous tuer derrière. Donc, voilà. Sauf Axe, donc on va faire le petit ultra laser. Ça va être la séquence ultra laser, je pense, dans ce live. On va essayer de spammer ça un maximum. Après, je serais tenté de placer Sizer. Sizer. Oula, un sécateur. Le Sizer n'existe pas encore. Hein. On vit un peu dans le futur, là. Mais ouais. Après, s'il switch... Non, il switch pas. Ok. Psychic. Voilà, 52% lui a mis derrière. On peut le tuer avec tout et n'importe quoi. N'importe quoi. On peut même prendre un petit pistolet à eau. Bon, peut-être pas quand même, c'est Mewtwo, mais on peut l'achever, quoi, voilà. Sauf s'il fait ça, bien entendu. Dans ce cas-là, c'est moins possible. J'avais oublié cette éventualité. Donc soit... Là, à mon avis, il va sûrement refaire reste, enfin, recover, soit... En pensant à un petit ultra laser ou un Damoclès qui, de toute façon, me mettra KO, donc... Même après Electek, même après Gros Doudou, on n'arrive pas à se sortir de Space Train. On n'arrive pas trop à sortir de Space Train et ça me plaît pas trop. Bon, que fais-tu? Ouh, le coup critique. Le coup critique, ça fait plaisir. Bon, on en a perdu deux, mais au moins, on s'est débarrassé de l'odieux Mewtwo. Mewtwo. Le petit bruit qu'il faisait dans l'animé. Bon, alors que fais-tu? Ditto, ok, ça, voilà, ça c'est abordable. Ok, on va faire tonnerre. On va faire tonnerre, ça c'est l'évidence, voilà, t'as beau te transformer, donc il va copier nos attaques. Bon, après il n'en aura pas la puissance, par contre, s'il fait explosion, ça me plaît pas trop. Ce serait pas terrible qu'il fasse ça, on a 280 def, ok. Bon. Bon bah on est parti sur tonnerre de toute façon. Mais je pense qu'il va faire explosion, c'est la meilleure chose à faire. Je pense. Après il pourrait faire tonnerre ou Thunderbolt. Ou Fire Blast. 32%. Et il obtient la burn. Ok, génial. Génial, génial, génial. Bon, je vais pas me plaindre, mais je suis pas très satisfait. Et puis en plus il a lancé le timer. Ok, bon, très bien, tu veux la guerre. Et il fait explosion derrière, ok, bon bah c'est bien joué. C'est bien joué, son Ditto aura été utile. Chose qui est plutôt rare. Bon, voilà, on va envoyer Carabaf. Là je le sens beaucoup moins bien quand même. On a 3 contre 4, j'ai entre guillemets un doublon. Mais enfin on a l'avantage cette fois-ci. Allez, on fait Body Slam, que je ne pense pas qu'il reste. Et puis derrière, si on peut avoir une petite paralysie, enchaîner avec un gros high jump ramp. Et là, on finit tout, on revient, ok. Bon, et alors il est resté, on n'a pas de paralysie. Et derrière, il doit recharger. Donc on va claquer le gros hydrocanon. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution d'avoir claqué Hyper Beam. Derrière, on miss. On miss, ah là là. J'ai l'impression que le Axe, c'est encore pire en 1G. Genre les moves à 80% de précision, ils passent à 60, à 60. Les moves à 90%, ils passent à 70.
tu te prends des crits à foison. Bon, les crits, comme je l'ai déjà dit, c'est un système différent, mais quand même. Je trouve ça un peu trop violent, et dire qu'on a vécu dans ça. Ok, une toxique, voilà. Et derrière, derrière, je ne le tue pas, alors que si j'avais fait... si j'avais réussi le petit Hydro Pump, et ben je l'aurais mis KO. Dès maintenant, j'aurais pas été... Ah si, j'aurais peut-être été toxique, donc j'ai rien dit. Donc, 3 partout, mais bon, on peut dire que Karab a fait bientôt mort, mais il aurait fait le taf. Et mon adversaire n'a pas l'air de connaître les switches. Ça, c'est assez important de remarquer ça, quand même. Ok, Tauros, une nouvelle fois. On est vraiment pas très bien servi, je trouve. L'adversaire, plutôt une bonne team, en général. Bon, la nôtre était pas dégueu, mais il fallait déjà gérer Mewtwo, donc t'en perds la moitié. Et derrière, bah, tu fais pas grand-chose. Bon. Alors que va-t-il faire? Forcément, il est plus rapide, il nous achève. Alors Blastoise, il a Blizzard, Séisme, Repos, High Jump Pump. Et lui, il a Dance Slam. Donc je pense garder Sizer pour la fin. Dans le sens, sauf s'il a un Grolem, un Rakaillou, un Rhinophéros, on le passe pas. Mais s'il a pas tout ça, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc, allez, on fait High Jump Pump. Le petit hydrocanon. Je sais pas quelle est la précision d'hydrocanon en 1G. Ça doit être du 80%, je crois. Je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, parce que je dis peut-être des bêtises. Enfin bref. Ok, donc vas-y. Vas-y, joue. Vas-y. Voilà, bizarre. Bon, alors, je sais pas si c'était le meilleur choix. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je veux pas savoir pourquoi il a fait ça. D'autant plus qu'il a Body Slam qui ferait beaucoup plus mal à Tortank. Enfin, c'était un peu le random choix. En fait, il nous laisse gagner. Il sait que je suis en train de live, il fait ok, il est en train de live, ok. On va le laisser gagner, on va faire genre qu'il fait une remontée de ouf. Alors que apparemment, c'est beaucoup plus décevant d'un coup. Le mec, c'est lui qui met le timer, mais c'est lui qui me fait attendre. Ces gens-là, je comprends pas trop le principe. Pff, là, coup critique. Ah, le miss qui fait mal. Bon. Alors, soit on fait Hydro Pump, dans la foulée on perd Sizer, on joue à 2 contre 1, soit on fait repos. On va faire repos. Et on va essayer de récupérer un maximum de vie. Après, je vais devoir attendre 2 tours, je crois, 2 ou 3 tours, je ne sais plus. Je crois que j'aurais peut-être dû le tuer. Et il continue de me faire attendre, ça c'est assez ouf. Ça c'est assez ouf quand même. D'autant plus que son seul choix, c'est voilà, c'est de faire ça. Mais le mec il me fait attendre 20-30 secondes pour savoir s'il doit appuyer sur le bouton ou pas. Genre en mode petit suspense, mais non. Suspense qui est pas du tout justifié. D'ailleurs la différence de niveau était de combien entre Karabaf et Tortank? Il n'y a pas l'air d'en avoir, il n'y a pas l'air d'en avoir une énorme quoi. Ok, Hyper Beam. Premier tour de sommeil. Alors là, je serais tenté de mettre Sizer, mais est-ce que c'est une bonne solution? Je sais pas. Je sais pas qui est le plus rapide entre Tauros et Sizer. Data, Tauros. 110, ok, c'est pas Sizer. Ok, bon, bah on va rester. C'est la meilleure chose à faire. La seule chose à faire. Parce qu'après, s'il fait à nouveau Hyper Beam, derrière, comment vous dire que je peux le sentir passer? C'est ça qui me fait mal, quoi. Si j'envoie Sizer, un sécateur, parce que Sizer c'est Cisaiox. Ok, il se réveille, donc ça c'est très bien. Donc derrière, s'il veut refaire Hyper Beam, bon bah il mettra quoi, 30%, et puis derrière je peux facilement en tenir. 40%, il n'y a pas de crit, et il y a un miss. C'est pas possible, c'est pas possible. Ok, donc fait repos, rebelote. Mais j'ai vraiment pas de chance. Et derrière, il va me claquer le coup critique sur le tour de recharge. Sur le tour de recharge, il va faire ok. J'attends pas, je fais coup critique. Cherche pas, je cherche pas à savoir. C'est non négociable. Et donc derrière, bah... on sait toujours pas qui il a. Et il continue de me faire attendre. Ça, c'est quelque chose que je déteste.
Je sais pas vous si vous rencontrez, c'est peut-être la petite question de ce live, mais quand vous jouez sur PS et que votre adversaire met le timer, mais c'est lui qui nous fait attendre. Ça c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Ça c'est... Ça fait partie des mystères de la nature. Je sais pas comment on peut appeler ça, de la bêtise, de la provocation. Mais j'ai même pas d'exemple, entre guillemets, dans la vie réelle qui pourrait expliquer ça. Non, je sais pas. Non, aucune idée. Bah, si vous avez un exemple de la vie réelle qui pourrait illustrer ça dans la vie de tous les jours, eh bien, faites-le partager dans les commentaires. Parce que bon, là, on en est à 20 minutes. La moitié du truc, c'est attendre que Santoros se réveille. Bon, ok, Blastoise. Il me semble que là, il va se réveiller ce tour-ci. Il va pas attaquer, mais il va se réveiller. C'est déjà ça. Alors là, par contre, s'il a tonnerre, j'ai perdu. Et j'ai envie de dire tout ça pour ça. J'espère que non. J'espère qu'il a pas tonnerre. Il a tonnerre, ok. Donc tout ça pour ça. J'ai un peu envie de pleurer d'un coup. Parce que je suis pas sûr que Sizer tienne justement le... C'est peut-être possible. C'est peut-être encore possible de gagner dans le sens où si j'arrive à placer une agilité avec un sécateur. Oh, mais je lui mets rien. Je lui mets absolument rien. J'ai 6 niveaux de plus, on dirait que Starmie a les défenses de Grolem. N'importe quoi. Genre que 26%. Ok, je veux bien, c'est pas stabé et tout, mais quand même. Ok, voilà, tonnerre, coup critique, c'est super efficace. Bon, eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour espérer un miracle, clairement. Il me semble... Bon, allez, hop. Même Sizer, il voulait pas sortir de la Pokéball. Il fait non, j'y vais pas. Ok, bon. Agility. On va mettre notre plan diabolique à exécution. Allez. Bon, sauf s'il fait... tonnerre coup critique, là, on rentre à la maison. Ah, je suis déjà plus rapide. Ok, surf. Le mec, il me laisse espérer, quand même. Là, je serais tenté quand même de placer une petite danse lame, mais on va pas faire le fou. Donc, je suis clairement pas sûr de le mettre KO avec Ultra Hazer. Je veux bien tenter, mais si j'ai un mauvais roll ou quoi que ce soit... Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, allez, on fait tranche. On va espérer le coup critique. Parce que derrière, j'ai quand même un niveau plus haut que Tauros, donc je peux peut-être espérer faire quelque chose. Sachant qu'il est à 40% de sa vie. Donc derrière, Ultra Laser peut le mettre à out. Et là, on peut avoir un suspense de fou. Coup critique, c'est tout. Ok. Ok, bisous. Bon, bah, c'était sympa. Bon, 23 minutes, allez, on va en faire un petit dernier. En plus, ça arrive tout de suite. On va pas rester sur une défaite. Voilà, on va pas rester sur une défaite. On va remonter sur le cheval. Ok, il y a déjà deux joueurs, c'est gentil de me prévenir. Ok, Kadabra et Doctrio, donc déjà il peut pas me paralyser. Jet de sable. Ok, c'est dans ces moments-là où tu te rends compte que la stratégie en 1G n'existait pas trop. À partir du moment où tu vois que tu as jet de sable et on a encore un sécateur. Ça c'est une bonne base. Et on récupère Arcana. Ok, pourquoi pas. Séisme 67%, c'est pas mal. Et derrière, bon, il claque la petite protection, mais je doute que ce soit très utile. Kadabra qui, je pense, a du potentiel, enfin, il est niveau 85. Alors, que va-t-il faire? Ok, forfait. Bon, bah, genre, on va prendre la petite victoire en scred. Et, pff, c'est un peu décevant de vous laisser sur ça, quand même. Après, j'ai dit qu'on restait pas sur une victoire. Sur une défaite. Bon, donc là, s'il revient pas... fait qu'on reste sur une victoire. Après, je sais que c'est décevant. Mais, on reste sur une victoire. C'est ça, il faut réfléchir à ça. Pour la beauté de la chose, tu vois. On a gagné en deux tours, il a forfait. Ça, c'est beau, tu vois. Genre, Doctrio, il a imposé le respect. Ouais, voilà, quoi. Donc, ouais, bon, je pense je vais faire une pause. On va voir s'il va revenir. S'il revient, je vous le dis. Sinon, bah, voilà. Bon, bah, c'est... On a gagné, voilà, c'est écrit ici. On a gagné. Bon, allez,
On va en faire un petit dernier, un vrai. Ça, ça fait... ça fait 3 victoires ou 2 défaites de victoires, c'est équilibré. Voilà, Ratata, Mew. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Bon, j'ai envie de garder Mew pour plus tard. Je vais envoyer Taignon. Donc au niveau de l'équipe, on a Otari, Taignon, Mew, Rafflesia, Mr. Mime et Charizard, Dracofeu. Bon, pas de méga évolution, forcément c'est de l'RNG, même pas d'objet. Donc on va pas rêver. Bon, par contre, là je vais peut-être mettre le timer, voilà. Peut-être la deuxième victoire sur timer, ce serait beau. On se contente le double timer ou pas? On tente le double timer, la double win timer. Genre en random battle première gen, le timer c'est la win condition. Ok, super fun donc. Ça me retire 50%, c'est normal. Et derrière, bah, on va claquer un petit sacrifice. Avec Taignon, donc, je pense pas qu'il reste quand même, mais ça reste la meilleure chose à faire. Ratata qui peut être assez violent, il vient de me retirer 50% de ma vie comme ça. Puis niveau 96, ça doit être relativement rapide. Je connais pas la base stat en speed de Ratata, mais ça doit être relativement rapide. Bon, je fais une petite pause, je vous reprends quand il a joué. Ok, donc il a envoyé Nidorina, j'ai loupé mon attaque, comme vous pouvez le constater, absolument rien. Donc là, j'ai envie de tenter un petit counter. On va faire un petit counter. Alors ce qu'il va faire, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire, genre un body slam derrière, on lui claque le double, on lui casse les dents et on s'en sort bien. Voilà, body slam, ah, la paralysie ça c'est pas cool, counter dans 36%, c'est pas ouf, c'est même décevant. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas entre guillemets envoyer Monsieur Mime comme ça. C'est pas trop là. J'ai encore envie de faire counter, mais bon. Après, il va peut-être envoyer Ratata et il va me mettre à portée de kill. Donc, je vais faire... Bon, ce serait quand même vachement risqué. Ok, double age. Et j'ai été paralysé. Ok. Bon, je vais peut-être arrêter de faire des petites coupures comme ça. Mais Hitmonchan is paralyzed. He can't move. Voilà, l'accent à Nelson Montfort, il est là. Il est gratuit. Bon, c'est pas terrible tout ça. Allez, on va le sacrifier. De toute façon, à 4% une paralysie, autant dire qu'il sert à rien, le petit. Voilà, allez, hop. First kill. Allez, on envoie Monsieur Mime, là. On va imposer le respect. On envoie Charlie Chaplin. Voilà, petit Psycho. Petit Thunder Wave. Petit T-Bolt. Mais on dirait, son sprite, on dirait qu'il lève la main. Hey, madame, j'ai la réponse. Voilà, ça fait à peu près ça. Moi, je vais peut-être y aller. Mais avant d'y aller, avant de quitter le match en plein milieu, je trouve que ça fait genre une demi-moustache de chaque côté, là. Je sais pas si vous êtes d'accord. Je le trouve assez marrant, son sprite. Ça permet, pour ceux qui n'ont, entre guillemets, jamais vu les sprites ingé, de les voir, et puis ceux qui les ont déjà vus, de se remémorer. Bon, après, dans un décor qui, on va dire, est un peu plus récent. C'est des sprites du passé qui arrivent dans le futur. Et tout. Et bon, en attendant, ça fait un partout. Et ça fait long aussi. C'est qui a mis le timer, là? C'est moi ou c'est lui? Ah non, là, c'est moi. Donc, il a le droit d'être long, entre guillemets. Enfin, il a le droit, mais il faut peut-être pas empiéter sur mon temps. Ok, Zapdos. J'ai envie de garder Monsieur Mime. Et on va faire Psycho quand même. J'ai envie de le garder, mais... Je sais pas. D'ailleurs, je me vois pas envoyer Charizard, encore moins Otaria. Lui, il a... Comment ça s'appelle? Drill Peck... Bec Vrille, voilà. Donc je pourrais pas envoyer... comment ça s'appelle? Rafflesia et E for Fate. Ok, ça c'est sympa. Ça c'est sympa, donc... Voilà. Ça y est, ça prend un coup critique, ça supporte pas. C'est trop violent. Il a pas supporté, il est parti pleurer. Et heureusement, sa mère lui a fait des gaufres et... On va se laisser sur ce petit joueur.
J'espère que le live vous aura plu, que ça va être entre guillemets détente, enfin ça change, j'ai voulu essayer, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous en voulez encore. Et puis quant à nous, on se retrouve pour un prochain live, une prochaine vidéo, une prochaine fiche strat. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Enfin bref, faites ce qui vous chante. Allez-y, c'était Sycomore, tout le monde, à la prochaine.